Après tous les minéraux déjà vus, voici la dolomite, un minéral des roches sédimentaires voisin de la calcite. La dolomite, qu'est-ce que c'est? D'après le dico, dolomite, carbonate de calcium et de magnésium. La dolomite est tout comme la calcite, un carbonate. Plus particulièrement, un carbonate de calcium et de magnésium. Sa formule chimique est donc la suivante, CaMgCO3-2. La dolomite est utilisée comme brique réfractaire pour les fours. Les matériaux réfractaires sont utiles pour la fabrication des fours aux fourneaux chaudières car ils ne vont pas fondre, rétrécir, grossir ou quoi que ce soit d'autre au contact des flammes. Avant de voir comment identifier la dolomite, voici deux petites infos supplémentaires. La dolomite tire son nom de son découvreur, le géologue Déodat Gratet de Dolomieu. La dolomite a donné son nom au massif des Dolomites dans les Alpes italiennes, massif riche évidemment en dolomite. Comment identifier la dolomite? Elle est souvent de couleur blanche ou incolore, mais peut aussi avoir des teintes grises ou roses. Elle est transparente à translucide et son éclat est vitreux. Son trait est blanc. Elle fait partie du système cristallin rhomboédrique. Elle prend souvent une forme losangique, presque cubique, voire un bâtonnet. Elle possède un clivage parfait, d'où sa forme bien taillée. Cependant, sa cassure est conchoïdale. Elle possède une dureté de 3,5 à 4. Elle est donc plus dure que la calcite. Sa densité est de 2,8 à 2,9. Particularité de la dolomite, elle fait effervescence HCl, mais différemment de la calcite. Tandis que la dolomite forme des petites bulles, mais l'effervescence est longue. Où trouve-t-on de la dolomite? Principalement dans la dolomie, une roche voisine du calcaire, mais composée majoritairement de dolomite. Et c'est vrai que ces deux termes peuvent être confondus. La dolomite, c'est le minéral, et la dolomie, c'est la roche. La dolomite peut se former de deux façons différentes, soit en précipitant à partir d'une solution riche en carbonate, calcium et magnésium, donc de la même façon que la précipitation du calcaire, la roche formée sera une dolomie primaire. Soit la calcite se transforme petit à petit en dolomite, ce phénomène est appelé la dolomitisation et la roche formée est un calcaire dolomitisé ou une dolomie secondaire. À retenir, la dolomite est un minéral assez commun dans les roches sédimentaires. C'est un carbonate de calcium et de magnésium, c'est donc un minéral proche de la calcite, un carbonate de calcium. Elle est identifiable par sa couleur blanche, incolore à rosée, sa forme particulière, sa dureté est de 3,5 à 4, et pour l'identifier facilement, il suffit de faire le test à HCl. Les bulles seront petites, mais la réaction longue. La roche composée essentiellement de dolomite est la dolomie. Fin de cette vidéo, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons l'altération, l'érosion des roches.